It was at this moment that he knew. He fucked up. Salut à tous, c'est Bubufi. J'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'alimentation. Comment faire une prise de masse sèche, comment manger fit en fait. Comment ça se passe quand on veut changer son corps pour prendre de la masse. Pour sécher, comment est-ce qu'on fait? On va aller faire des courses. Je vais vous détailler la liste d'achats, vous n'aurez plus qu'à copier la liste et faire la même si vous voulez. On va préparer tous les plats pour la semaine en avance, en meal prep, et vous allez avoir tout clé en main pour changer votre corps. Et puis c'est parti, on est encore une fois à la bourre. On a à peu près 15 minutes pour faire les courses. Parce que j'ai une organisation légendaire, donc ça va être intéressant. Là je me dépêche et on y va. En fait, j'ai un call super important pour une de mes boîtes dans 30 minutes. Et on est bloqué derrière le portail parce que j'ai pas mon bip et que voilà, génial. Donc, on est parti au Lidl, élu meilleure chaîne de magasin de l'année. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Non, bon. En vrai, c'est pour tout ce qui est budget, tout c'est pas mal. On a 10 minutes pour dépenser 50 euros pour une semaine, prise de masse sèche. Donc, j'ai pris 50 euros parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui... un budget assez limité, notamment les étudiants qui font la muscu, etc. Donc 50 euros, 10 minutes, on va faire nos courses pour une semaine et après on va préparer tous les plats juste après. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, on a dégainé la petite liste. Première chose sur la liste qui est ici, on va prendre des kiwis. On en prend combien? C'est des kiwis. Ah, ils ont l'air dégueu. Là on a des magnifiques œufs datés jour de pont pour les œufs. Je le dis, je le répète, pour les œufs, on ne prend jamais, voilà, des œufs comme ça, sauf si c'est pour faire des gâteaux. On prend toujours des œufs bio et si c'est possible label rouge et si c'est possible plein air. Mais le minimum syndical c'est le plein air. Le plus c'est le label rouge et le saint graal c'est label rouge bio plein air. Alors là c'est le festival. Nous ce qu'on va prendre c'est soit celui-là qui est à 1,62 donc c'est vraiment pas cher, soit les œufs bio. Si vous avez vraiment pas de budget, beaucoup de budget pour vos protéines, les œufs ça reste ce qu'il y a de moins cher. Et si vous prenez des œufs bio, label rouge, je vous garantis que c'est des très très bonnes sources de protéines avec des oméga 3, etc. Donc je peux que recommander. La petite. Comment t'appelles ça? Tartiflette healthy. Le petit fromage bien stylé. Du fromage sans gras quand même. Non ouais. Ça arrive. Ça arrive ça. Tac. Voilà. Ouais, il y a comme ça. Non. Si, si, si. Ça c'est du fromage blanc. 2,9% que vous pouvez utiliser pour toutes vos collations. Toutes vos collations et aussi le petit déjeuner. C'est protéiné, vous rajoutez de l'avoine ou du muesli dedans. Et c'est super bon. Et ça se prépare rapidement et c'est super pratique. Bon, ça y est, on est rentré des courses. Donc, on a eu pour 35 euros par personne. Donc, je pense que ça va faire plaisir à tous ceux et celles qui essayent de se mettre à la diète et qui ont un budget restreint. On va diviser les achats en 3 catégories. Les glucides, les protéines, les lipides, avec des variances pour la prise de masse et pour la sèche, parce que moi je suis en prise de masse et madame elle est plutôt en sèche. Donc comme ça vous allez avoir les deux cas de figure avec la même liste de courses qui sera disponible en fin de vidéo pour ceux qui sont bien restés jusqu'au bout. Donc là je vais vous montrer ce qui a été acheté, je vais vous montrer ce qu'on va préparer juste après. Donc pour les glucides, on a pris 2,5 kg de patates qui revient à 3 euros, c'est absolument ridicule comme prix. Les patates, contrairement à ce qui peut être dit, c'est une super bonne source de glucides. My life, it's potato. Vous pouvez varier avec des patates douces, là on l'a pas fait parce qu'on est restreint sur le budget, mais ça se fait. On a pris des pâtes, 3 paquets de pâtes. Alors là franchement chez Lidl ça coûte 60 centimes, donc même si vous êtes en prise de masse et que vous mangez beaucoup comme moi, vous pouvez mettre 5, 6, 7 paquets, ça va pas vous alourdir votre portefeuille. 1 kg de riz, on peut en prendre plus, faut savoir que pour les pâtes,
En termes de cru cuit, les pâtes, elles doublent à peu près à la cuisson, donc 500 grammes, ça fait 1 kg de pâtes cuites. Et 1 kg de riz, ça fait à peu près 2,5 kg cuit. Donc, comme je vous ai dit, les flocons d'avoine pour le matin, pour faire des porridge, des pancakes avec des œufs, ou vous pouvez mélanger ça avec de la whey, comme vous voulez, ou même avec du fromage blanc. Les flocons d'avoine au fromage blanc, avec du miel, et une source de protéines. Je peux que recommander cette marque, c'est ma marque de cœur. Encore des pâtes, et encore des pâtes que j'ai données tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour les glucides. Donc, on peut voir qu'on est sur seulement 3-4 glucides. On aurait pu prendre du quinoa. On aurait pu prendre des lentilles si vous voulez un peu plus de protéines végétales. On aurait pu prendre des patates douces, mais on s'est limité à 3. N'hésitez pas à varier. Plus vous avez du mal à vous tenir un régime strict, plus vous pouvez varier. Mais vous allez déjà voir qu'avec tout ça, on va préparer quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite, concernant les protéines, on a pris de la viande hachée. Alors moi, perso, je suis un énorme fan de la viande rouge. Bon, chez Lidl, c'est un des seuls produits qui n'est pas trop donné. Donc le steak haché, valeur sûre. Ensuite, on a pris des médaillons de saumon. Des médaillons de filet de poulet, voilà. Et des aiguillettes. De poulet. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez prendre du poulet ou de la dinde, c'est pareil. C'est de la volaille, c'est très très riche en protéines et très très faible en matière grasse. On a pris du saumon. Et le saumon, c'est absolument la vie. C'est incroyable. Je kiffe cet aliment. C'est fou. Les sushis, c'est vraiment toute ma vie. J'adore ça. Là, attention, c'est une source de protéines déjà qui est chère, donc forcément vous n'allez pas en prendre de kilo parce qu'il y a 40 euros le kilo. Bon, là on est à 20 euros le kilo chez Lidl quand même, mais ça reste assez cher, donc dans tous les cas, j'ai vu personne acheter 8 kilos de saumon d'un coup. Et c'est une source de protéines qui est riche en lipides. Alors c'est des bons lipides, c'est plein d'oméga 3, c'est bon pour la santé. Mais attention, quand on en sait, j'ai pas mangé saumon matin, midi et soir parce que ça peut alourdir la balance calorique, c'est sûr. Vous avez eu mon petit speech en magasin, vous prenez minimum, et je m'en fous. Si jamais je vois quelqu'un, un de vous qui regarde la vidéo, ne pas prendre des œufs élevés en plein air, j'arrive chez vous et je vous fous le paquet de 6 dans le cul un par un. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est sûr, parce que c'est hyper important, les œufs, les œufs élevés en cage. Oui, parce qu'on part du principe que c'est une poule déjà de base, les poules élevées en cage, dans leurs œufs, il n'y a pas d'oméga 3. Il faut que pour ce soit... C'est compliqué aujourd'hui. Pour qu'il y ait des oméga 3, il faut que ce soit élevé en plein air. Alors, ça, c'est le minimum syndical. Et puis après, s'il peut y avoir bio et label rouge, ça, c'est vraiment le top du top. Du coup, j'ai pris de la bolo. Il y a 4,5% de matière grasse, 7% de glucides. Alors franchement, c'est même en sèche, vous pouvez prendre ça. Ça, ça coûte 60 centimes chez Lidl. Et ça va faire toute la différence dans votre pâte sèche, votre riz sec, votre quinoa sec. Et ça peut que augmenter votre goût. Ça coûte 60 centimes. Donc forcément, allez-y. Ça fait les glucides. Incroyable, on a fait les protéines, ça c'est vraiment incroyable. Et là on finit sur... Pourquoi il y a de la farine là? Ah oui, on a besoin de farine, rien à voir avec la vidéo, tiens. Ah si, j'ai oublié. Alors, le seul souci, parce que je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas manger ça, ils détestent ça cuit, c'est pas cher. Le seul problème avec ça que j'ai, c'est le sulfate, le sel. À manger une fois dans la semaine, oui, à manger tous les jours, je le recommande fortement que non. Voilà, donc ça c'est pour les protéines. On va coulisser sur le reste. Donc ça c'est ce qui est un peu gras, etc. Légumes. On n'a pas pris beaucoup de légumes, juste haricots verts, brocolis et carottes. Voilà, assurez-vous de prendre au moins... je sais que c'est pas moi qui vais vous faire la morale sur les légumes parce que j'ai du mal à manger, pas trop ça. Mais forcez-vous à manger des légumes parce que forcément vous avez beau manger assez de protéines, assez de glucides, assez de lipides. Si vous mangez pas assez de légumes, votre équilibre acido-basique va être compromis, vous allez chier une fois par mois et vous allez absorber aucun nutriment. Donc voilà, ça fait plaisir à personne, mais comme maman disait bien, les légumes c'est important, alors faut en manger. Et pour la bonne conscience, des raisins seront également pris pour cette vidéo. Voilà. Quoi ? Kiwi. Ah, le petit kiwi. Ce petit modèle sport de kiwi qui peut se manger en collation de type... après-midi. Et après c'est les goûts, les couleurs, tu vas pas acheter des pommes si tu les aimes pas. Moi j'aime pas les pommes, je vais pas acheter des pommes, j'ai acheté des kiwis parce que j'ai des kiwis, c'est logique. Pré-workout ou post-workout, sous-côté, mangez des glucides autour de vos entraînements, très important. Avant l'entraînement, après l'entraînement, ne mangez pas, n'allez pas manger un cassoulet avant l'entraînement. Mais si vous n'avez pas mangé depuis longtemps, des compotes, bananes, quoi que ce soit avant et après l'entraînement pour avoir de l'énergie pour la salle, hyper important. Donc là les petites pommes potes. Pour terminer, on a une magnifique boîte de tampons. Non, alors ça dégage. Du coup, c'est parfait, c'est-à-dire que c'était au. Tout le monde l'a vu pendant toute la vidéo. Yes! Pour les lipides, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Oméga 3, 6, 9 pour la cuisson. 6, 9 avec la bouteille. Non. 3, 6, 9, donc forcément, c'est que du gras, donc faut pas faire.
Mais pour les prises de masse, alors même quand vous êtes en sèche, vous allez réduire vos glucides, ne coupez jamais complètement les lipides, gardez votre petite cuillère d'huile d'olive pour les bons lipides, comme disait un jeune ami youtubeur à nous. Crème, alors, sujet très controversé, pourquoi est-ce qu'une crème ferait dans des repas healthy? Bon, chez Carrefour et Cora, j'ai vu apparaître des crèmes 4%, et ça c'est vraiment incroyable, parce que 4% tu peux vraiment en foutre dans ta viande, dans tes légumes, dans tes pâtes, ça te fait des repas incroyables, alors que bah, c'est 5, ouais. Là c'est du 12%, donc faut vraiment y aller mollo, surtout quand on est en sèche. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va passer à l'étape de préparation de repas de toute la semaine. On va préparer les repas toute la semaine, des repas bons, simples, variés. On va cuisiner pendant à peu près 3 heures. Et puis ce sera les repas qui seront prêts pour toute la semaine. Et ça veut dire que, en gros, le meal prep, tu prépares une fois les repas dans la semaine. Après, tu n'as plus rien à préparer. C'est délicieux, c'est prêt, c'est pratique. Parce que probablement, une des plus fortes raisons pour que les gens... bah mange mal, tu rentres du travail, il est 18h, tu te dis bon je vais à la salle quand même parce que je suis une personne géniale quand même, et tu te dis, tu rentres, il est 20h, à 20h, personne n'a envie de cuisiner, personne, pas moi, même moi qui suis passionné de muscu, personne. Et forcément, le McDo n'est jamais loin, donc qu'est-ce qui se passe pour beaucoup de personnes? On prend la voiture, on va au McDo. Et le problème avec ça, c'est que bah, tu progresses pas du coup, parce que si tu manges comme une merde, bah, tu finis avec un tas de merde encore, bah, c'est le principe. Alors que si... tu rentres du travail, t'es fatigué, 20h, 21h, 22h, et que le repas est déjà prêt, t'as juste à le chauffer au micro-ondes et qu'il est bon, parce que une ou deux fois par semaine, tu prépares tous tes repas à l'avance, t'as plus à te poser la question sur comment tu vas cuisiner, comment tu vas faire pour manger des trucs healthy, t'es déjà tout prêt. En fait, partez sur le principe qu'il faut acheter et préparer ses plats quand on n'a pas faim. Comme c'est... parce que quand on a faim, personne réfléchit intelligemment. Quand t'as faim et que tu passes devant du Nutella, des Snickers ou quoi, tu vas manger parce que tu dis ouais j'ai faim. Alors que quand t'as pas faim, tu peux prendre le temps de réfléchir, ok ça c'est un aliment qui est bon pour moi, ça non. Donc je vais faire les courses maintenant, je prépare les repas en avance, de façon intelligente et concise, afin de pouvoir optimiser ma progression en musculation et atteindre mes objectifs physiques, que ce soit de la sèche ou de la prise de masse. Comme je vous ai dit, pour moi ce sera de la prise de masse, pour madame ce sera de la sèche, vous allez avoir les deux variantes. Je propose qu'on vous se retrouve juste après pour découvrir tout ça. C'est parti. Ok, donc on est prêt pour l'étape incroyable de la préparation des repas. En avance, on est parti sur la préparation des petits légumes, petites patates, petites carottes. Alors, qu'est-ce qui va être fait de... c'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai plus fou. Charlie, voilà. Se filme juste. C'est bah, ouais, c'est... en même temps, c'est une femme. Hein. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oh, oh. Y a pas à manger une patate. Oh putain. Ok, donc, pour vous énumérer ce qui va être préparé. Repas numéro 1, qui a été préparé en à peu près 5 minutes. Les petites pâtes, préparées dans la sauce bolognaise, préparées avec de la viande hachée. A few moments later. Vous pouvez voir, j'ai mis le torchon autour du cou, c'est que ça devient sérieux. Donc, dans les pâtes et dans le riz, petite astuce que vous allez vraiment kiffer de ouf. Petit bouillon dégraissé parce qu'on n'est pas des gros porcs. Et hop. Et hop. Hop. Tiens, seul. Ok, donc tu prends le petit bouillon, tu mets pas trop d'eau dans les pâtes, t'as vu, évidemment, parce que sinon ça va... En fait, le but, c'est que t'es pile assez d'eau, et tu viens écailler le bouillon comme ça dedans. Ok, voilà. Si t'as un couvercle, tu mets un couvercle. Si t'es pauvre comme moi, tu mets pas de couvercle. Donc là, tu mélanges comme ça, et tu laisses absorber tout l'eau, à part les pâtes, et donc ça va faire des pâtes avec un goût de bœuf, et c'est absolument délicieux. Même stratégie pour le riz, mais tu fais avec du poulet, t'as vu, pour varier, pour changer. C'est une technique de ouf, parce qu'en vrai, quand on est en sèche, et que, bah, on va pas se mentir, le riz tout seul, c'est pas bon, les pâtes tout seul, c'est pas bon, bah, ça donne un goût de poulet et de bœuf aux féculents, qui sont pas de ouf, normalement. Donc, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc là, les féculents, ils sont en train de cuire. Là, la viande a été hachée pour le hachis parmentier. On a cette magnifique petite ustensile qui nous fait à manger, c'est qui nous aide, c'est pas mal. Donc là, on va s'occuper de faire cuire les pommes de terre, faire cuire le poulet, et puis... pendant que on prépare tous les aliments de la semaine, et pendant que ça cuit, on fait des games. Les amis, donc tous les plats de la semaine, ou plutôt de la demi-semaine, sont préparés. Personnellement, je préfère préparer pour la moitié de la semaine pour que ça reste un petit peu frais. Donc ça veut dire que j'ai deux préparations par semaine à faire. C'est un peu moins efficace que si on faisait en une semaine, mais ça permet de garder la fraîcheur des aliments. Donc voilà, je vais vous mettre en description la liste de courses. Le but, c'est que voilà, ça vous aide
à vous reprendre en main, ou si vous êtes un gros muscu déjà, bah, de changer votre diète ou de varier un petit peu. Là, on peut voir qu'on s'éloigne un peu des plats traditionnels de muscu. Moi, personnellement, j'ai aucun problème à manger riz, pâtes, voilà, mais c'est bien de changer. Donc, en variant, ce que vous pouvez faire, c'est, si jamais vous avez la flemme, vous n'avez pas assez de Tupperware, vous pouvez simplement préparer 2 kg de riz, 2 kg de pâtes, 2 kg de patates, 2 kg de patates douces, à l'avance, viande, haché, poulet, dinde, voilà, tout préparé à l'avance, assaisonné à l'avance, et après vous pouvez venir vous servir dans vos grosses boîtes et vous pouvez vous les mettre au taf, si vous avez un frigo au taf, chez vous. Et bref, le but, c'est que en fait, vous n'ayez même pas à penser à qu'est-ce que je mange quand vous rentrez au boulot, vous avez juste à choisir. C'est déjà prêt, ça vous évitera de bouffer de la merde parce que vous n'avez pas le temps. Et voilà, donc ça, c'est pour la prise de masse et la sèche. Prise de masse, vous mangez plus de glucides et plus de lipides, forcément un peu plus d'huile d'olive, un peu plus de portions de glucides. Et pour la sèche, vous variez un peu plus de légumes, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. J'espère que ça vous a aidé. C'était un peu le foutoir, je suis désolé, complètement crevé de bosser sur mes projets en ce moment, et voilà, je voulais quand même vous faire une vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que ça va en aider plus d'un. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, t'abonner si t'es nouveau, et puis laisser en commentaire quelle prochaine vidéo t'aimerais voir sur la chaîne. Et puis moi, je te fais de gros bisous et je vous dis d'ici là, soyez fort, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit, ciao les gars, à la prochaine, ciao ciao.